La souffrance des poissons bêta, aussi appelés poissons combattants, qui sont achetés et vendus dans le commerce des animaux de compagnie, est encore pire que ce que vous auriez pu imaginer. Un témoin de PETA Asie a observé des élevages en Thaïlande, qui fournissent des poissons bêta aux animaleries du monde entier. Les poissons sont élevés dans des citernes, comme celle-ci. Les corps des poissons morts, dans ces conditions insalubres, n'ont pas été enlevés. Le témoin a trouvé de nombreux poissons morts dans chaque établissement visité. Beaucoup ont été retrouvés sur le sol, probablement morts de suffocation. Des centaines d'articles scientifiques sur l'intelligence des poissons montrent qu'ils sont intelligents, qu'ils peuvent utiliser des outils, qu'ils ont une mémoire impressionnante à long terme et une structure sociale complexe. C'est une idée fausse que les poissons bêta peuvent être conservés dans de petites quantités d'eau. Pour être en bonne santé, chaque poisson a besoin d'un minimum de 9,5 litres d'eau vive. Au lieu de cela, ils sont logés dans de petites bouteilles, souvent sales, comme celle-ci. Pendant que les travailleurs triaient les poissons pour le transport, ils les laissaient délibérément hors de l'eau, ce qui les obligeait à lutter et à halter pour respirer pendant de longues périodes. L'eau dans ces récipients de plastique couvre à peine leur corps. Ces poissons ont été jugés non rentables parce qu'ils avaient des queues endommagées. Un travailleur a suggéré qu'ils seraient jetés dans un canal ou un étang voisin pour se débrouiller seuls. Pour finir, les poissons ont été emballés, sans nourriture, et expédiés vers des pays du monde entier. Un voyage de plusieurs jours. Les travailleurs mettaient des tranquillisants dans l'eau pour éviter qu'ils ne mangent leur propre queue durant ce rude voyage. Ordinairement, ils sont des milliers à mourir avant d'atteindre leur destination. Les animaux méritent mieux. N'achetez pas de poissons combattants et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de savoir. Merci.